c'est le verset premier. Là, le verset premier. Il y a Deutéronome 20. Deutéronome 29. La parole d'alliance qu'on était dit dans Deutéronome 30. Et les paroles de cette alliance continuent jusqu'au chapitre 30. Maintenant, nous disons chapitre 30 à Deutéronome. Maintenant, en prenant le chapitre 30, on va lire à partir du verset 11. Tu commences à partir du verset 11. Texte où est les textes qui est là. L'écriture, les auteurs et services envoyés. L'écriture nous montre ceci. Deutéronome 30, verset 11. Deutéronome 30, le verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu dit le verset 14. Ce commandement que je t'ai prescrit aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel. Pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel? Et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre? Afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer. Pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer? Et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre? Afin que nous le mettions en pratique. C'est des choses, au contraire, qui est tout près de toi. Afin que tu la mettes en pratique. Lorsque tu observes les paroles de cette écriture, Paul a dit en Romains 10. Paul les a répétées dans Romains 10. Avec un homonyme. Comment est-ce que Paul les a? À partir du verset 6. À partir du verset 6. Romains 10. Romains chapitre 10. Alors il dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel. Moïse. C'était Moïse alors. Mais Paul t'a entendu alors. Mais lorsque Paul l'a observé, il a vu la foi. Il a dit que ça ne continue. Alors lui, qui montera au ciel? C'est en fait descendre Christ. C'est pourquoi je t'avais dit. Après cette alliance, la Moab, tu lis les écritures de leur marche. À quelle tour faire la mention colonne de feu du colonne? On n'avait plus fait mention de la colonne de feu au-dessus du peuple. Ni colonne de nuée du colonne. Ni la colonne de bon ami. Pourquoi? Sans ta alliance sur les personnes qui vont à la Moab. Parce que l'alliance qui était donnée à Moab. Paul a nommé, Paul a dit, c'est affaire de descendre Christ. Mais ça fait qu'on quitte sa Christ. Donc, la colonne de feu, ils avaient dit, donc, la colonne de feu qui était, Paul a nommé, faut qu'on en rende la scène. Il a dit, tu dois les voir sur la terre. Il y a un moment, la rôle que la colonne de feu faisait comme ça. C'est pourquoi tu verras le rôle que faisait la colonne de feu. La colonne de feu est Sika. De leur diriger. Et la mamaro. De leur diriger. Et comment il parle à Arche. Cette mission, c'était la. Arche, mais le gars, quel est le parce que Paul a dit que qui dit ça, Christ. Parce que